Yo tout le monde, c'est Fintech, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale. Mais comme d'habitude, juste avant de commencer la vidéo, si t'es nouveau ou nouvelle, n'hésite surtout pas à t'abonner, à lâcher une tube avec la petite cloche de notification. Je t'invite aussi à lâcher un petit pouce bleu. Et bien sûr, le plus important, c'est de tous entrer mon code créateur Fintech bleu dans la boutique Fortnite. Cela me fait vraiment super plaisir et bien sûr, bonne vidéo. Mais juste avant de commencer la vidéo, comme tu peux le voir, j'offre des cadeaux sur Fortnite. Soit tu veux tenter ta chance ou obtenir un cadeau dans la boutique Fortnite, que ce soit un skin ou une emote, pour cela, c'est vraiment la première chose. Ce que tu fais, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube avec la petite cloche de notification, tu lâches un like sous la vidéo et bien sûr, tu mets mon code créateur FinTechSBE dans la boutique Fortnite et tu commentes ton pseudo Epic Games dans l'espace commentaire. Je te souhaite une bonne chance et une bonne vidéo. Allez, bonne vidéo. Eh bien salut tout le monde, c'est Fintech, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, pour ma part, je vraiment super bien. Comme vous avez vu au titre miniature de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite Battle Royale pour une toute nouvelle vidéo. Mais comme d'habitude, juste avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la petite cloche de notification. Je vous invite aussi à lâcher un petit pouce bleu, cela me fait vraiment super plaisir. Et comme d'habitude, je t'invite à te rendre dans la boutique d'objets et de faire le code soutenir un créateur, de tous entrer le code créateur FinTechSBE dans la boutique Fortnite, cela me fait vraiment super plaisir. Comme vous avez vu au titre en miniature de la vidéo, aujourd'hui il y a le tout nouveau pack de Marvel, de Royauté et Guerrier qui vient de sortir dans la boutique Fortnite pour le prix de 25€. Alors dites-moi ce que vous en pensez du pack dans l'espace commentaire. On va simplement inspecter les objets du pack. Alors premièrement, on a le skin de Black Panther. Voilà, le roi légitime du Wakanda, avec un deux revêtements par-dessus, un premier revêtement en noir et un deuxième noir mauve comme ça. Pour les gens qui ont déjà vu le film, vous savez c'est quoi. Ici on a sa cape, la cape du roi. Ici on a les dagues du Vibranium. Ici on a son planeur. Ici on a Captain Marvel qui est vraiment super stylé. Oh là là, vraiment il choque ce skin. Ici on a son accessoire de dos, la pioche, le bâton alpha. Du coup ici c'est un planeur avec le skin un Captain Marvel, ok pas mal. Ici on a le maître des corvées. Le maître de corvées, voilà. Par contre je connais pas du tout ce super-héros. Dites-moi si vous le connaissez ou pas dans l'espace commentaire. Alors du coup, tout simplement, on a 3 skins pour le prix de 25€. Dites-moi ce que vous en pensez du pack dans l'espace commentaire. Alors tout simplement, aujourd'hui, on va essayer un tout nouveau glitch sur Fortnite Battle Royale pour essayer d'avoir le pack gratuitement. Alors c'est pour ça que je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Pour commencer le glitch, ce que vous allez faire, vous allez tous rentrer mon code créateur FinTechSBE dans la boutique Fortnite. Une fois que vous avez fait ça, vous allez partir dans vos paramètres, dans quel opinion, là vous allez vous mettre sur nom, vous allez vous faire appliquer, vous allez faire retour. Ce qu'il vous reste à faire après, c'est juste d'accord de remettre mon code créateur dans la boutique Fortnite. Une fois que vous avez fait ça, ce qu'il vous reste à faire après, c'est juste de retourner au lobby, comme moi dans la vidéo, et de simplement de retourner dans la case de V-Bucks, d'acheter le prix de 25€ de V-Bucks. Il y aura le moyen de paiement de votre plateforme. Ce qu'il vous reste à faire après, c'est juste de retourner au lobby, de faire signalement et retour. Une fois le signalement et retour, vous allez juste à faire le bouton retour et de faire choisir le mode de jeu pour le joueur de Switch. Ce que vous devez faire, vous devez juste faire quitter le jeu Fortnite et de relancer le jeu. Une fois fait ça, ce que vous allez faire, vous allez retourner dans la boutique d'objets. Vous allez descendre tout de bas dans le pack. Là, vous allez faire acheter le pack. Il y aura le moyen de paiement de votre plateforme. Vous allez juste à revenir. Ce qu'il vous reste à faire après, c'est juste de retourner au lobby, de faire tout simplement signalement et retour. Signale un bug, descend tout en bas d'un boutique Asie au salon. Les objets ou les V-Bucks que j'ai acheté n'apparaissent pas, vous allez cliquer dessus. Là, vous allez faire refaire une capture, vous allez attendre un peu jusqu'à 5 secondes. Là, vous allez faire le bouton continuer, vous allez faire le bouton accepter. C'est vraiment super important, envoie du signalement encore. Là, vous allez faire le bouton fermer. Ce qu'il vous reste à faire après, c'est de retourner dans la boutique d'objets, de remettre mon code créateur FinTechSBE dans la boutique. Et là, vous allez descendre tout en bas dans le pack. Vous allez sélectionner le pack, là vous allez faire acheter encore une fois le pack, et tout simplement vous allez revenir dans vos paramètres, dans clé d'opinion, et là vous allez vous mettre sur oui, et vous êtes simplement dans recevoir des cadeaux, vous allez vous mettre sur oui, c'est super important. Là vous allez faire le bouton retour, vous allez faire le mode choisir le mode de jeu, et de cliquer sur le mode créatif, c'est vraiment super simple. Et tout simplement les potes, vous êtes simplement d'obtenir le tout nouveau pack de Marvel, Royauté et Guerrier gratuitement sur Fortnite Battle Royale. Le pack avec le skin du Wakanda, voilà, ça fait vraiment super plaisir. Le skin Black Panther, c'est vraiment un glitch de malade. C'est pour ça, les potes, je vous invite à tous vous abonner à la chaîne YouTube code créateur FinTechSBE dans la boutique Fortnite. C'était FinTech. Allez, ciao tout le monde.